Je suis fatigué. Je pense qu'un bon verre de coca pourrait me remonter le moral. My coke. My Coca-Cola. Hein? Carte au trésor? Oh mon Dieu! On va être riche! Hey, les copains, les copains! Alors les amis, voici la liste qu'on va devoir ramener. Une crayon de bois, une feutre, un crayon de couleur et sans oublier une feutre d'ardoise. Mais pourquoi on devait ramener tout ça? Parce que on sait jamais si on a besoin d'écrire quelque chose. Elle n'a pas faux. Hey, les copains, les copains, les copains, les copains! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ce que j'ai trouvé! Une carte au trésor? Ouais, exactement. Une carte au trésor. Vous savez ce que ça veut dire? Quoi? On va chercher un trésor! On sera riche, couvert de thunes! L'argent n'a pas vraiment d'importance. Mais je te l'ai pas dire. N'est-ce pas, Mariona, toi qui es la voix de la raison? Couvert de thunes? Oh! Je pourrais m'acheter beaucoup de bijoux et de tenues! Oh non! Mais c'est pour une fois, c'est une super bonne idée! Content que je l'entends, hein. Alors, on y va? Ouais, bof, moi les trésors, c'est pas vraiment mon truc. Le truc que je préfère, c'est... des quêtes importantes. Mais tout ça juste pour des trésors, ça fait un peu trop pirate. Oui, je te le fais pas dire et malheureusement, je veux pas encore rencontrer de danger. Moi je veux bien. Moi je vends bien des trésors. Comme ça, je pourrais m'acheter des fruits. Je vais m'acheter un chien et. Non! Moi c'est des tenues! Et moi j'aimerais bien avoir des nouvelles armes pour le tournoi de Splatfest! Alors qu'est-ce qu'on attend? Changelin et Mayona! Chop et Zelda, vous pouvez rester ici tranquille. C'est parti mon kiki! Oui! Bon on fait quoi du coup? On va faire quelque chose que Mayonnaise nous a demandé. Oui, exactement. Bon allons-y. Oh mon Dieu, ouvre la carte. Ah oui, j'avais pas pensé à ça, merci. Je comprends absolument pas cette carte. Il nous indique, mais il nous indique pas le départ et ni la fin. Attends une minute. Attends, si je comprends bien, ça ressemble à un appartement, c'est ce qu'on y est. Là, ça ressemble à... À quoi ça ressemble? Je me demande aussi, mais si on suit les indications, on pourrait être directement en trésor. Ouais, mais c'est complètement flou! Il n'y a même pas d'indication, rien du tout! Ouais, j'avoue, ils auraient pu mettre un plante ou quoi que ça d'autre. Mais on va quand même chercher le trésor. On va quand même pas rester là, ne rien faire quand même. Ouais, surtout qu'on aura beaucoup d'avenir grâce à ces trésors. Ouais. C'est moi qui guide la carte. C'est toi qui fais tout dans cette maison. Hein? Et en plus, tu plains du fait que tu fais tout. Ce sera à toi, Kiboy. Quoi? Parce que c'est toi qui as trouvé la carte en premier. Et en plus, comme il avait dit, Changelin. C'est toujours moi qui fais tout dans cette maison. Ouais, pas faux. On y va par là. C'est parti pour une trésor sur le chemin. Non, pas de chanson de Gumball. Mais c'est bien la chanson de Gumball. Copyright! Oh, fais chier! Alors, qu'est-ce que ça nous indique? Rien du tout, c'est ça le problème. Il y a même pas de décor, il y a même pas d'arbre, il y a même pas de flaque d'eau, il y a même pas de gardien, il y a rien. C'est juste trop naze. Ouais, ça c'est le cas de le dire. Oui, je te rappelle quand même que c'est toi qui as donné cette carte. Si vous voulez que je fasse quelque chose, hein? Hein? Non. Alors voilà. Alors, Eclipse Boy, tu sais où est-ce qu'on doit prendre?
Alors, tout à l'heure, on était partir de cette là, de cet est, et là, on était au sud, et là, on va refaire en est, et là, on est en nord, et là, là, je suis complètement perdu. Mais tu avais bien dit qu'on était là, hein? Ouais. Bah alors, maintenant, on va au sud. Qu'est-ce que tu crois? Ou peut-être qu'on peut faire les danses claquettes pour se téléporter. Quoi? Qui t'a appris ça? Internet? Non mais, non. Tu te rends compte que Internet, que ce soit Wikipédia, Internet, il raconte que des conneries en ce moment? Ah non. J'en ai marre. Calmez-vous, bon, il faudrait qu'on se calme. On a qu'à juste prendre le sud et après on pourrait s'avancer. Ça c'est toi qui le dis. Mais bon voilà, comme tu le dis, on va aller au sud. Mais quoi? Et si jamais on se perd? C'est une bonne question. Alors, si je comprends bien, si je fais une rectification sur tout le trajet, on a juste fait un autoroute, on a fait un lac, on a fait un McDonald's, et on n'a rien trouvé. C'est ça vraiment le pire. Peut-être que cette carte trésor est un fardeau. Ouais, bah sans blague. Salut vous autres. Oh, tiens, tu dois être Fox. Non, je suis Nike. Pourtant, dans des extrêmes n'importe quoi, de quoi deux, on te dit Fox. Ouais, mais franchement, c'est n'importe quoi. C'est pas parce que je suis un renard qu'on va m'appeler Fox. Hein. Qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Qu'est-ce que nous étions en train de faire? Ouais, mais je compte une fille jolie, mais pas les deux autres. Oh, merci. Excusez-moi. Bon, je disais, qu'est-ce que vous faites ici? Bah, on est en train de chercher le trésor. Oh, j'ai jamais entendu parler de trésor. Bah, apparemment, je viens de le découvrir dans un placard à verre. Placard à verre? Ah oui, c'est maintenant que je l'ai dit, hein. Ouais, exactement, mais d'habitude, il n'y a même pas de carte de trésor dans le placard de verre. Ouais, bon, alors, je te le dis, les cartes au trésor, c'est juste du pigeon. Quoi? Mais pourquoi? Oh, parce que, voilà, sinon, mais bon, voilà, je respecte votre choix et je vous souhaite de trouver le trésor et pendant ce temps, moi, je me promène. Tu me promènes pourquoi? Parce que ça fait du bien et c'est bon pour la santé. T'as pas tort. Ouais, exactement. Mais bon, je vous souhaite bonne chance quand même. On sait jamais. Elle était vraiment très sympa. Bon, revenons sur le sujet. Écliboy, tu devrais prendre la carte. On continue. On va prendre à gauche. Mais ça devrait pas être à droite normalement. J'avoue là. Ouais bah on est complètement perdu hein. Attends quoi? Bon, on est où maintenant? Je pense qu'on doit être dans une mini-tour. Oh, c'est pas possible! Ça nous aide absolument pas! Où est le trésor? Ah franchement, Eclipseboy, c'est ta faute! Moi? Mais pourquoi? Si tu aurais su avoir les bonnes orientations, alors on n'en serait pas là. Et bah c'est toi qui a voulu que je garde la carte, donc c'est pas ma faute si je perds. J'ai pas la bonne orientation, oui j'avoue. Et toi, est-ce que tu en as une bonne orientation? Oui, exactement. Mais alors pourquoi tu m'as donné cette carte? Bah ok, faut savoir ce qu'on veut. Vous plaignez parce que je fais tout et vous plaignez parce que... Je pense que la prochaine fois on aurait peut-être dû avoir un rôle important. C'est comme si tu me donnais une hache alors que je sais même pas couper un arbre. Ouais, et moi c'est comme si tu proposais des mathématiques alors que je sais même pas calculer. Quoi? Mais comment tu fais pour avoir un bac alors? Chez moi on n'a pas école. Oh! Oh!
Dommage. Eh mais... Cette barrière-là... Je sais pas pourquoi, mais je sens comme un mauvais pressentiment. On s'en fiche, faut vite y aller. C'est peut-être, si ça se trouve, l'endroit le plus dangereux. C'est là où il y a le trésor. Je sais pas pourquoi, mais je le sens mal, moi. Ouais, mais il faudrait quand même y aller, on sait jamais. Mais puis, on est quand même des combattants, hein. On a déjà vu pire, comme. Mais on vient juste d'appeler de se connaître et on n'a même pas eu de vrai combat. Moi, oui, mais vous deux, non. Pff, ouais. Bon, bah... Qui est pour qu'on rentre dans cette terre dangereuse? Moi. Qui est contre? Pff, ok, mais ne venez pas plaindre après. Ouais, c'est ça, mais bon, voilà, on y va. Après, ne vous venez pas à vous plaindre, hein. C'est sans espoir. J'abandonne. Oh, t'avais raison, Ugly Boy. Si j'avais su, j'aurais pu prendre la carte. Ah, j'avais raison pour une fois. Ah, j'en étais sûr. Jamais. Ça fait des heures qu'on est en train de faire le tour et on n'a même pas trouvé le moindre trésor. Ça fait trop mal. Oh, ça veut dire qu'on a perdu tout notre temps pour rien. Regardez. Quoi? Regardez. Oh, un chiot mignon. Non, ça. Oh, la destinée. Oh, ça explique pourquoi les dessins gribouillés, c'est en fait une sorte de trampoline. Oh, n'empêche que j'ai pas compris pourquoi faire gribouiller. C'est dur de dessiner un trampoline, sérieusement. Bah, ça dépend de l'expérience de l'un envers l'autre. Mais bon, en tout cas... On va chercher le trésor. Ouais. Ouais. À nous le trésor. Ce trésor est vraiment magnifique. Oh, je te le fais pas dire. T'as à Madagascar. C'est quoi ce pins? Quoi? Je suis le gardien de ce trésor et vous pouvez pas prendre le trésor parce que vous n'avez pas le droit. Et on fait comment? Bah, vous devez me battre. Non, fais pas ça. C'était vraiment trop facile. Bah oui, on est que 3 contre 1. Il n'est même pas expérimenté. Bon, bah maintenant que c'est fait... Attends une minute, on devrait partager le trésor. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après tout, on a travaillé en équipe. C'est vraiment génial, hein. Premièrement, on a battu le gardien facilement. Deuxièmement, on s'était mis d'accord. Ouais, exactement. Et puis voilà, si on s'était pas travaillé en équipe, on n'en serait pas là. Ouais, exactement. Allez, ouvrons le trésor sans plus attendre. Nouvelle prank. Je vous ai bien eu, bande de nazes. Cyborg. Non. Quoi? Tu as encore recommencé? Ouais, c'était pour la dernière fois. Vous n'avez qu'à pas me prank. Vous n'avez qu'à pas ruiner mon prank, bande de nazes. Alors tu veux dire que pendant tout ce temps, des heures, on s'était disputés. Moi-même, rendu fou, épuisé. On a même perdu notre chemin pour un prank. Ouais, exactement. Cette carte au trésor, c'est du pur arnaque. C'est moi qui l'ai dessiné. Non. Il y a même plus de place. M'en fous de toute façon. Non. Quelle journée pourrie. Ah, ça je te le fais pas dire. Bah au moins on a quand même appris des choses. On a quand même bien s'amusé, hein. Salut Mayona. Quoi? Ah, vous avez fait le travail? Oui, exactement. Ah, en moi ça me rassure. Mais malheureusement, il n'y a plus de crayons de bois ni de crayons de couleur. Mais on a trouvé des feutres. Quoi? Comment ça se fait?
Mais il est en rupture de stock apparemment, tout le monde les a achetés. Bon, au moins vous avez quand même trouvé des feutres, ça c'est bien. On a trouvé qu'un. Une minute. J'en ai marre. Vous avez trouvé le trésor? C'était Cyborg. Ah oui, c'est Tandou, il nous a encore pranké. Ah, j'en ai ras-le-bol. Quoi? Oh. Ah bah heureusement qu'on n'était pas y allé, hein. Je me disais aussi qu'il y avait un petit truc qui ne va pas. Oh, j'aurais préféré chercher des feutres plutôt que faire des cartes au trésor. Ouais, on est d'accord sur ce point-là. J'aurais préféré, sur ce coup-là, j'aurais préféré d'être de ton côté plutôt que chercher un trésor à la con. Oh. Maintenant, je comprends bien pourquoi tu n'as pas voulu y aller. Ouais, c'est juste parce que ça m'intéresse pas. Moi non plus.